L'étoile de Ouagadougou a refermé les portes de la 6e journée. L'étoile filante de Ouagadougou de la 7e journée du championnat national de football de première division. Amis sportifs, amis internautes, bonsoir et bienvenue ici au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo pour une nouvelle aventure du ballon rond, une nouvelle aventure de tous ceux qui sont passionnés du ballon rond. Comme d'habitude, on se fera le plaisir de vous faire vivre les grands moments de l'opposition entre l'étoile filante de Ouagadougou et le Royal FC. Les Faux qui, depuis le début de la saison, totalisent 4 matchs, dont 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Bien sûr, avec 2 matchs en retard dus aux campagnes africaines. Alors que le Royal FC, eux, totalisent 6 matchs joués. Et sur les 6 matchs-là, c'est 0 victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites. Ça veut tout simplement dire les Faux qui totalisent actuellement 7 points est classé 9e après la 6e journée, alors que le Royal FC, lui, est classé 15e avant-dernier après la 6e journée. Deux équipes également qui, lors de la journée précédente, ont fait match nul, 0 but partout. Royal, c'était contre l'ASEC du côté des Bourg-du-Lasso, alors que les Faux avaient fait 0-0 avec le Rail Club de Kadiogo, ici même au stade municipal. On espère que ce soir, une de ces deux équipes répartira, pourquoi pas, avec 1 ou 3 points. Match à suivre en exclusivité sur Bokeh Foot. Il y a un peu de continuer. Sa fille. Non, c'est pas enregistré. Sa fille. Non, il va venir. Toi, tu viens pas, la Claire vient. Après, à la mi-temps peut-être. Nous sommes installés pour l'opposition de cette 7e journée entre les Faux et les Royal FC. Vous voyez déjà un mouvement de stylistes déjà installés. On attend juste la sortie des joueurs des vestiaires. 7e journée, les voyants sont ouverts pour les deux équipes. Après, le banc des stylistes, nous vous présentons à présent le banc des royalistes. On commence déjà à bien discuter avec bien sûr le coach du Royal FC, Aboubakar Koulibaly,
va rappeler hein, que ces deux équipes de faux, pour commencer, totalisent 9 points suite à ces 4 matchs déjà disputés, 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite, alors que le Royal totalise que 2 points, 0 victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites. Deux équipes qui seront quand même à même de vouloir repartir ce soir avec une victoire. Il faut donc suivre ce match de bout en bout et vivre les grands moments sur Bourki Foot. Le match était initialement prévu pour 15h30 minutes. Et là, on va gratter quelques secondes, on n'est pas de quelques minutes parce qu'on a déjà 4 minutes passées. Désormais, les matchs se jouent à partir de 15h30. On rappelle qu'à 15h30, il fait toujours chaud au stade de l'Ossipa de Sécurité économique. Je vais donc sur le pays synthétique. Ce sera de dimensionner la chute de vente. Mais ces joueurs le savent, ils n'ont pas le choix. Quand il faut y aller, il faut y aller. Voici donc ces joueurs très attendus, accompagnés par la sécurité. Ce soir qui sera fait par la police nationale. 7e journée du championnat national de football de première division qui ouvre ses portes cet après-midi même entre l'Étoile filante de Ouagadougou et le Royal FC ici au stade municipal Issoufou Joseph Okonombo. Deux équipes qui n'ont pas gagné lors de la journée précédente. Deux équipes qui n'ont pas non plus marqué lors de la journée précédente. On espère que ce soir, ces deux formations nous produiront du jeu, nous donnerons des buts et surtout répartiront avec des points. Le Faux qui revient 7 de la campagne africaine. Les Royal en difficulté depuis le début de la saison qui n'a jusque-là pas enregistré des victoires. On restera ensemble jusqu'à la fin des 90 minutes pour savoir qui de ces deux formations, joliment habillées d'ailleurs ce soir, répartira avec les 3 points. Nous, bien sûr, on se fera le plaisir, comme d'habitude, de vous faire vivre les moments forts de ce match entre l'Étoile filante de Ouagadougou et le Royal FC venu de Bobo Dioulasso. Déjà rapidement, je vous donne la composition des deux formations en commençant par les 11 entrants côté Étoile filante de Ouagadougou qui aligne ce soir Yé Honoré Justin Camille. On va retrouver Paul Adeyomo. Landry Banadi est également dans les 11 entrants ce soir. On va retrouver également Adama Belem. Simon Marté est titulaire ce soir. Enoch Zabré, Marfo Emmanuel, Ouidraogo Yakuba, Ouattara Ibrahim, Ange Syriac Ouidraogo et enfin Philippe Lapé Marie. Sur le banc, c'est bien Cheikh Amelukan. Vous avez bien compris, Abdoulaye Zongo ne sera pas de la partie. Koury ce soir ne sera pas avec ses coéquipiers. D'ailleurs, il n'est pas sur la feuille de match, blessure ou sanction. On trouvera les infos d'ici là. Le coach donc de l'Étoile filante de Ouagadougou que nous voyons à l'écran, Cheikh Amidou Ouattara, qui a remporté la Coupe du Faso avec le Faux, lui qui était venu en tant que sauveur pour maintenir le Faux qui était en difficulté en fin de saison passée. Il a réussi son pari et il a continué sa mission pour cette nouvelle saison. 11 entrants côté Royal FC. On va retrouver Baro Younes Hamza, Sanou Karim, Sissoko Ali, Ismaël Sawadogo, Traoré Abdel Rachid, Sitionon Zirachid, Bazier William Gérard, Adam Diakité, Traoré Abdelaziz, transfuge d'ailleurs de l'Étoile filante de Ouagadougou, Philippe Kora et enfin Konaté Henri. Voilà donc les 11 entrants côté Royal avec bien sûr Koulibaly Aboubakar sur le banc de touche. Le portier de cette équipe royaliste là, c'est bien Diarra Mohamed.
Vous connaissez du 11 entrant, place désormais au jeu. Nous sommes bel et bien au stade municipal du Secours Joseph Kabandé. Les acteurs sont en place, les officiels sont en place, les supporters et les journalistes également sont en place. Le Royal FC en orange ce soir, face à l'étoile filante de Ouagadougou, en blanc, pour une belle opposition. Donc on va rappeler que les officiels de ce match sont Bourema Sanogo, l'arbitre central. Il sera assisté par Sanon Sibiri Sidou, Dassansan Honoré et Dabiré Serge Gislin. Vous aimez le foot, vous aimez les ballons ronds. Vous suivez là donc le début de la 7e journée du championnat national de football de première division entre l'étoile filante de Ouagadougou et le Royal FC. Ce sont les stylistes qui ont engagé du jeu avec une première action déjà. On va passer par le flanc droit. Zabré, une autre va s'appuyer sur Niako Baoué Draogo qui ce soir a été titularisé alors qu'on a tenté une première tentative de l'ob, de la part de Traoré Abdelaziz. J'avais vu la position de Philippe Napamaré. C'était quand même un peu trop tôt hein, pour inquiéter les portiers célestes. Mais on le sert au mal du foot, il faut toujours prendre des initiatives. Traoré, lui, n'a pas hésité. Nous voici encore Traoré, cette fois-ci, pour servir dans la profondeur. Tiens, avant. Une fois de plus, Philippe Napamaré vient de toucher. À moins d'une minute, deux fois le ballon. Cette fois-ci, c'est au tour du portier du Royal qui va se saisir du cuir. Ce Konaté Henry. Voilà. Non, Diarra Mohamed. C'est Konaté Henry qui a été titularisé pour le Royal ce soir. Première touche en faveur de l'étoile filante de Ouagadougou. C'est joué rapidement. Sur Landry Banadi, au duel avec Diakité, qui va d'ailleurs obtenir la touche. Une touche pour les faux, une touche pour le Royal.
c'est Zir Rachid qui va jouer pour Traoré Abdelaziz dans la surface de réparation. Les stylistes vont réussir quand même à se dégager. On va repartir dans la combinaison toujours avec le royaliste. Ici depuis, ça combine bien. Changement de côté. C'était Traoré Abdelrachid. Il a réussi à trouver un partenaire. Lui, à son tour, mauvaise passe. Il ne trouvera pas Karim Sanou. La contre-attaque désormais, le bleu blanc de la capitale. On a réussi à trouver Marfo Emmanuel dans la profondeur. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Mais il n'a pas réussi à trouver le ballon comme il le voulait. On a vu un beau duel de Sana Kader. On va répartir très rapidement. C'est joué avec Diakité Adama. Oui, il s'en sort. Alors que là, on a entendu crier Diakité Adama suite à une faute de Marfo Emmanuel. Ah oui, hein, ça fait très mal vu le cri qu'il a poussé. On n'aimerait pas être à sa place. Voilà, mais il est tout de suite debout et le jeu va se poursuivre. On se dégage. On cherche Abdelaziz Traoré. Dégagement côté styliste. Le ballon va mourir en touche. Les royalistes. Abdelaziz Traoré toujours. Abdelaziz, oui, il est passé et il obtient la faute face à Ange Seriago Draoglou. C'était intelligemment joué de la part de Aziz Traoré. Premier coup franc de cette partie en faveur du Royal, c'est Zir Rachid, soutenant face au Solmu formé par Landry Banadi. Cinquième minute, premier coup franc. Le ballon élevé au deuxième poteau, Philippe Lapemaré réussit à s'imposer dans les airs. Va lancer tout de suite Landry Banadi face à deux royalistes. Il a trouvé une solution, mais le ballon lui ne passera pas. Ah oui, hein, c'était bien vu de la part de Landry Banadi. Et là, le ballon est tout de suite récupéré par les stylistes. La combinaison avec Marfo Emmanuel. Lui également, il prendra la mauvaise décision. Regardez le beau geste technique. Pour éliminer son vis-à-vis, le ballon est donné dans la course pour Diakité. Il n'y a pas de position de jeu. Traoré Abdelaziz, lui, sera bousculé. Mais le danger va rester avec ce ballon pour changer de côté. C'était Sanou Karim. Il a trouvé un partenaire dans la surface de réparation. Passement de jambes, frappe. Il oblige Philippe Lapemaré à dévier le ballon en corner. C'était bien joué de la part de Ali Sissoko. Alors, regardez la passe pour trouver Abdelaziz qui a été déséquilibré. Alors que Karim a tout de suite vu la position de Ali Sissoko, qui a réussi quand même à armer sa frappe, même si j'avais moins de puissance. Il obtient un corner et c'est toujours bon à prendre. Avant donc l'exécution de ce corner, on a un joueur de défaut, Simon Marté, qui a reçu un coup. Il va se faire assister médicalement hors de la pelouse avant de retrouver ses coéquipiers. Il va recevoir la bombe magique. Alors que le corner lui se joue maintenant. Le ballon est mal négocié. On va se dégager côté faux pour trouver Paul Adeyomo. Oui, le bon ballon de Paul. Désormais c'est Marfo Emmanuel, changement de côté, mais ça ne passe pas. On réussit quand même à lancer. Il est Camille.
La passe était un peu trop appuyée, voilà. Camille a tout de suite compris, il n'a pas continué ses efforts. Il a préféré économiser ses forces. On a réparti depuis la charnière centrale, Ouattara Ibrahim. Changement de côté pour Simon Martin, qui a rejoint ses coéquipiers. Passe ratée de Simon. Regardez le beau contrôle d'Abdelaziz Traoré. Il a un bon gabarit qu'il utilise à bon escient. La combinaison est parfaite. Alors que Adam Azakite a hésité à continuer l'action. Il avait compris qu'il était en position avancée. Lui aussi, il a préféré économiser ses forces. Une probable prochaine tentative. Avec ce ballon qui sera dégagé par le capitaine des royalistes. Lui ne prend pas de risque. Cora Philippe. Le ballon est tout de suite perdu, récupéré par les stylistes. On va repartir avec Zabré. Changement de côté, en temps de trouver un Chiriac, le Draoulou, oui, joli contrôle de Chiriac, dans la souffle de réparation, la frappe, mal négociée de Justin Camille-Honoré. On ne pourra pas inquiéter les portiers du Royal. C'était bien tenté hein, de la part des stélistes, ça va vite, regardez, depuis le rond-point central, long ballon de Yacouba Ouedraogo, joli contrôle de Ange Chiriac, et Justin Camille, lui, n'arrive pas à mettre la force qu'il faut pour marquer le premier but. Attention à ce ballon, Abdelaziz Traoré, une fois de plus, il se signale dangereusement dans cette surface de défaut. Mais une fois de plus, il ne trouvera pas le cadre. Et on va peut-être tenter une nouvelle offensive avec Landry Banadi qui ne pourra pas récupérer le ballon devant Bazier Girard. De belles actions hein, déjà dans cette première mi-temps. On espère bien sûr qu'il y aura autant de buts qu'il y a d'occasion. C'est ce que nous espérons avant la fin de cette opposition entre les Fours et le Royal. On aura une touche pour les royalistes avec Ismaël Sawadogo. C'est joué rapidement, le ballon est perdu par Lissoko, mais tout de suite il va récupérer. Regardez, le bouger d'Ismaël Sawadogo, il tente de trouver Karim Samou, mais le danger va rester toujours dans le camp des stélistes. C'est Diakité Adama maintenant face à trois joueurs de défaut. Il va s'appuyer sur Barreau Hamza, le ballon est élevé, mais c'est Philippe Lapemari qui va s'imposer dans sa surface. Il lance Camille. Encore une fois de plus, le royaliste avec Ali Sissoko. Attention à ce ballon, Adama Diakité, oui, ça fait but pour Adama Diakité. 10e minute, Adama Diakité célèbre son but à la Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'était bien parti depuis la récupération. Les stélistes sont restés lucides, ils sont restés concentrés, ils ont enchaîné les passes, ils ont trouvé le chemin du filet avec ce joli geste à la finalité pour Diakité Adama. On revoit cela, le ballon vient de loin. La passe un peu ratée hein, du défenseur de l'EFO, c'est Ouattara Ibrahim. Alors que Diakité Adama avait tout seulement le pied pour dévier la trajectoire du ballon. Et c'est ce qu'il a fait. Ça fait un pour Royal FC. On va répartir les stylistes qui sont désormais menés, qui vont devoir courir derrière l'égalisation. Donc on demandait déjà au début, avant la fin des 90 minutes, on en a déjà un. Marqué à la 11e minute
Dire qu'il était à demain, qu'il faut le rappeler également, hein, faire un bon match. On aura une touche en faveur du Royal FC. Ismaël Sawadogo, l'homme qui était à la base de l'action du but. C'est depuis la chaîne centrale. On va se dégager. C'était un ballon en direction du Diakité. Estelise, attention, c'est mal négocié. Le Royal FC maintenant. Qui avait une possibilité d'attaque alors que Abdelaziz Traoré a été coupé dans son élan. Faute donc pour le Royal FC. Avec Hamza Barreau, c'est au deuxième poteau, c'est fort, oui, il a trouvé un partenaire, mais Philippe Lapémaré va rapidement se dégager. Adeyemoukou ne pourra pas conserver depuis, mais la belle récupération pour Ange Seriakoudraogo. Désormais le ballon est élevé dans la surface de réparation, attention, il a failli faire un autogol. Traoré Rachid. On aura un corner pour les bleus et blancs de la capitale. Landry Banati pour ce corner. Il y a du monde dans la surface. Le ballon élevé. Attention! C'est directement dans les dents du portier du Royal FC. On avait vu les stélistes montés tous aux avant-postes. Le ballon de Adeyemoukou manque tout simplement de puissance. Alors qu'on va tenter une autre offensive. Encore une tentative de lob sans succès. Philippe Lapémaré est concentré. Paul Adeyemoukou va obtenir le corner face à Bazé Gérard. Le précédent corner a créé de la frayeur dans la défense royaliste. Est-ce que ce corner-là va nous montrer quelque chose de nouveau? C'est levé au deuxième poteau. Personne. Même si Yacouba Ouattraogo est monté aux avant-postes. Il est grand détail, hein, donc c'est plus facile à s'imposer dans les airs. Mais le ballon va sortir sans difficulté pour l'Est avec Zerbo Enoch. Il va revenir à la faute, monsieur Labitte. Zerbo Enoch qui a été un peu accroché. Offrant donc pour l'étoile filante de Ouagadougou. Syriac Ouattraogo pour frapper ce ballon. Ça bouge à l'entrée de la surface. Au point de pénalty. C'est repoussé par les oranges de Bobo. Et le ballon va sortir en touche pour l'étoile filante de Ouagadougou. Simon Marté, le ballon pour Landry Banadi. Repoussé par la défense directement pour Simon Marté qui a servi Ange Ouattraogo. Il n'y a pas faute sur Paul. On va servir dans la profondeur Adama Diakité, le buteur de cette rencontre.
face à Ouattara. Il a levé le ballon pour chercher un partenaire. C'est mal négocié. Donc on peut tenter une nouvelle offensive pour l'Astélis avec Landry Banadi. Oui, il va éliminer son vis-à-vis. Landry Banadi, il a besoin de soutien. Il va tenter une frappe. Alors que Honoré, Justin Camus était bien placé tout devant lui. Il a préféré terminer l'action en solo. Même si ce n'est pas passé cette fois-ci. De Paul, il y aura faute de Justin Camus. Une faute donc qui permettra aux joueurs du Royal de se repositionner et qui mène déjà au score depuis la 11e minute. Et c'est le portier Henri Konaté qui va se dégager. C'est parti sur le côté. Le ballon ne pourra pas être gardé par Abdulaziz Traoré. Mauvais ballon de Honoré Justin Camille. Regardez la combinaison. Côté Royal FC, il n'y a pas de position de hors-jeu. On en obtient une touche. Attention, dans la surface de réparation, il a tenté une retournée, mais il n'était pas sûr de lui, c'est bien sûr Sadou Karim. Avec son numéro 10, c'est un joueur qu'il faut suivre et bien poursuivre parce qu'il a du talent. Les stélistes qui vont obtenir une touche. On va chercher la solution depuis la charnière centrale alors que nous jouons la 20e minute maintenant ici entre l'étoile filante de Ouagadougou et le Royal FC. Le Royal mène 1-0 depuis la 11e minute. Le Royal qui a fait 0 but partout hein, avec le leader actuel, la SEC, lors de la 6e journée. Le Royal qui tient le feu en haleine dans cette première mi-temps. C'est l'unique match actuellement qui se joue. Il faut rappeler qu'en pour ce début de cette 7e journée, il n'y a que 2 matchs au programme. Et tous les 2 matchs se disputent ici même. Le second va opposer l'AS Douane à l'AS Sonavel. Le deuxième et le troisième classement. Là, on va s'intéresser d'abord à ce match entre le 9e et le 15e. Henri Konaté. On a tenté de servir Zirachi, mais le ballon est récupéré par les stylistes. La combinaison est parfaite. Un Chiriac. Le ballon est levé. Justin Camus ne pourra pas le récupérer. C'est Ismaël Sawado qui va envoyer un ballon dans la profondeur. On a regardé la belle sortie de Yacouba Ouedraogo, qui malheureusement ne va pas doser sa passe dans la profondeur. Il cherchait Landry Banadi et il ne l'a pas trouvé.
L'arbitre principal va donc saisir l'occasion de cette 23e minute pour inviter les acteurs à la pause d'oxygénation. Revenir dans quelques instants. On va rappeler seulement que le feu est mené sur ces installations sur le score de 1 but à 0. Aux oxygénations, le jeu a repris maintenant. Attention, on perd ses habitudes. On a un nouveau dégagement. Le styliste avec Enoch Zerbo. Enoch Zerbo qui ce soir évolue comme un milieu récupérateur. C'est pas son poste de prédilection. Il a l'habitude de jouer sur les flancs. Pendant le bureau. Ce ballon, une fois de plus, on touche. On va repartir avec Ibrahim Ouattara. Une observe, attention. On va le laisser. Le Real FC va repartir avec Zakité Adama. Changement de côté. Il n'y a pas de position de hors-jeu à Lissouko pour. Attention! L'arbitre fait signe de jouer qu'il n'a pas faute. Sur Samu Karim, on va peut-être aller pour la contre-attaque de Stéliste. Il n'y a pas de position non plus. Landry Banadi, désormais dans la surface de réparation. Il a raté d'éliminer son vis-à-vis. On a senti le geste, mais le ballon était un peu trop avancé. Alors que le Royal a une nouvelle occasion avec le buteur Adama Zakité. Il a levé la tête et le bon retour de Yacouba Ouattara. Mettre le ballon en corner. Ah oui, c'était chaud dans la surface de deux côtés. Tout est allé très vite. Nous sommes passés de l'action du Royal à l'action de l'Efo. Mais ça n'a rien changé pour le moment au tableau d'affichage. Bien sûr, en faveur du Royal. Corner avec Ali Sissoko qui s'est levé au point de pénalty. La tête de Diakité. Il n'a pas trouvé le cadre, il n'a pas trouvé la puissance qu'il fallait mettre dans cette tête. Cornet pour le Royal FC. C'est Ali Sissoko une fois de plus qui a traversé le terrain et qui va se charger d'exécuter ce corner. C'est joué rapidement. Il y aura faute, lui nous dit monsieur l'arbitre. Vraiment Sanogo. Un coup franc bien placé pour les royalistes. C'est Barou Hamza qui va se charger d'exécuter ce coup franc. Attention, ça bouge dans la surface de réparation. Hamza Barou s'est frappé. Il ne trouve pas le cap. C'est le ciel du stade municipal qui va recevoir ce ballon. Attention à ce ballon, Landry Banadi, changement de côté pour Justin Camille. Le ballon sera sauvé
à Ismaël Sawadogo. Mais pas pour longtemps, parce que Camille est de retour. Il va trouver même un partenaire. Le ballon dans la surface de réparation en Syriac avait armé une retournée acrobatique de volée. Mais le ballon a été dévié. On répare rapidement. C'est Mané aussi par Banadi qui doit s'appliquer plus que ça. En Chiriac pour Landry Banadi. On a vu la présence énergétique de Enoch Zabré qui ce soir est le maître du milieu de terrain. Il faut le dire, on n'a pas les habituels milieux de terrain qui sont Sana Kader, Emmanuel Draugo et même Eman Savadogo. Ce soir, c'est un milieu tout renouvelé avec Adam Abelen et Enoch Zabré comme récupérateur. Sans oublier la présence désormais de Marfo Emmanuel. Regardez la belle combinaison avec désormais Simon. Simon, mauvaise passe de Simon. Le ballon va sortir en touche. Plutôt, le ballon va se retrouver dans les mains du portier du Royal qui lui, visiblement, veut terminer la première mi-temps avec l'avantage au score parce qu'il n'est pas pressé. Sauf qu'on a encore beaucoup de minutes. On a encore beaucoup de minutes à jouer dans cette première mi-temps. Ce n'est pas le moment de perdre le temps. On va essayer de garder le pied sous le puits. Abdelaziz Traoré. Un bon ballon de Samuel. Touche pour le faux. André Banadi pour la remise. Il n'y a pas faute sur Salon Karim. Le faux donc va repartir avec Yacouba Ouedraogo. Oui, il a servi Simon qui se positionne au ballon élevé. Mais malheureusement, c'est mal négocié. Ça va sortir en touche pour les portiers du Royal FC Konaté Henry. Long dégagement de Henri Konaté. Voilà, on va tout de suite être récupéré par les stélistes. Philippe Lapémaré qui positionne ses joueurs. Matara Ibrahim. Ange Syriac. Landry Banadi. Oui, faute de Landry Banadi sur Zirachid. C'était pas la bonne affaire. Mais il a trouvé le juste milieu, monsieur l'arbitre, et il est revenu à la faute. On se dégage. Retour de la tête. Paul Adeyemo va se faire chipper le ballon par Philippe Koura. Madame Abelem est là pour ramener le ballon dans la surface de réparation. Les stylistes vont garder le pied sur le pied avec Landry Banadi dans la surface de réparation. Encore le capitaine pour s'imposer pour les royalistes. Désormais, on va repartir. Lui avec Sanou Karim. Barreau, il n'y a pas de position de jeu. Les royalistes du flanc gauche vont servir Barreau une fois de plus. Barreau, il a carrément raté sa frappe alors que Sissoko Ali, lui, n'a pas hésité à armer. Malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre. Il y avait de la frayeur dans le camp de l'UFO. Mais il n'y a pas eu de but. Et c'est le plus important.
avait Manuel aussi de la part de Simon Marté. On voit une touche. Avec ce ballon de la profondeur, pour le buteur, Diakité Adama ne trouvera pas son partenaire. Le contrôle de Justin Camus. Face à Ismaël Sandro, il est passé. Le styliste entre quatre royalistes. Lui, il réussit à passer. Marfou Emmanuel. Même s'il va buter sous le loup des oranges. Il n'a pas de position de hors-jeu pour Aziz, qui a d'ailleurs hésité avant de continuer l'action. Avec le Traoré qui veut déjà quitter. Il a l'occasion d'aller chercher le ballon. Ah oui, Abdelaziz Traoré qui a hésité, il se disait forcément qu'il était en position de hors-jeu. À sa grande surprise, il ne l'était pas. Et le défenseur de Bifo était déjà replacé. C'est aussi ça le football, il faut prendre vite la décision. C'est pourquoi on demande aux joueurs souvent de jouer et quand l'arbitre sifflera, ben, il aura sifflé. Au moins, vous avez fait l'action. Et s'il ne siffle pas, bien sûr, ce sera à votre profit. L'action d'ailleurs au ralenti en attendant que l'équipe médicale prenne Barrow Hamza en soin. Le jeu a repris. Ou Justin Camille. On va trouver Landry Banadi maintenant. Attention, Landry Banadi. Diakité Adama. Lui, il est en forme dans cette première mi-temps face à Ibrahim Ouattara. Monsieur, il ne faut pas attendre le ballon à Lississoko. Attention, Yakuba Raoulo est étincelant dans cette première mi-temps. Il est là pour repousser partout le danger. Beau geste technique de la part de Justin Camille qui s'est fait carrément renverser. Il va bien sûr bénéficier d'une faute. 35 minutes, le Fou a mené 1-0 face au Royal FC. Temps de repartir côté Royal avec ce ballon récupéré par Paul Adeyemo qui est venu pour prêter main forte à ses coéquipiers. Tenter une offensive, pourquoi pas, avec Camille. Oui, il va éliminer son vis-à-vis maintenant. Il lève le ballon un peu trop long pour Landry Banadi. Ange Chiriac à la rescousse. Le ballon de Ange Chiriac n'apportera rien. La contre-attaque maintenant. Côté Royal FC, maintenant Alice Sissoko ne pourra pas récupérer le ballon. C'est pas un corner finalement, il me semble que c'était un 5m50. Voilà. Le
dégagement de Basé Gira. Attention à la tête de Michel Axuard dans mon diapité. On aura une faute pour diapité. C'est repoussé par la défense de Lefo. Récupération rapide. Palais Royaliste en cherche une solution. Mais les ballons sur une fois de plus sont mis en touche. Les défenseurs de Lefo qui sont adulés depuis un moment. Qui va protéger son ballon, Philippe Coura, sans donc danger pour ses coéquipiers. On va donc sortir en touche, dégagement par Henri Konaté. Déviation de Diakité, c'est encore lui, Diakité, pour revenir jouer ce ballon. Diakité, il va éliminer son vis-à-vis. Non, le geste de trop, mais le danger est toujours présent avec cette tête mal négociée par Karim Sani. Quand vous avez l'occasion de scorer, il faut scorer, monsieur, parce qu'en match de foot, ça va très vite. Attention, il y aura faute de Paul Adeyemo. De Gérard pour le dégagement. La tête de Abdelaziz est travée. Le ballon va sortir en 50 minutes. Philippe Lapémaré s'est joué rapidement. La combinaison un peu trop visible hein, du côté de Lefo. Ce genre de ballon était de partir de la sorte, il a tout de suite montré son côté, mais on attend de voir. Le geste technique de Landry Banadi, oui, il est passé et il aura faute sur Landry Banadi juste à l'entrée de la surface de réparation, nous dit monsieur Sanogo, avec un pied levé pour empêcher Banadi de continuer son action. Alors qu'il était d'ailleurs au départ hein, de l'action, Landry Banadi, il a été carrément bousculé par Zirachi. À cette position, hein, c'est Landry Banadi d'ailleurs qui frappe. Un tel coup franc, il est capable de mettre le ballon au fond du filet. Même s'il revient d'une douleur, va-t-il se charger de frapper? Ça discute beaucoup entre lui et Marfo. Ah oui, ils sont pas totalement d'accord. Hein. Je vois Landry qui essayait de prendre le ballon alors que Marfo non plus ne veut pas laisser le puits. Marfo finalement va laisser. Banadi également va laisser. Et là, ce ne sont pas de jolis gestes. C'est Landry qui va revenir
avec beaucoup de colère pour peut-être frapper ce coup franc. En tout cas, le temps est donné. Il y a trois personnes dans le mur. C'est frappé et touché par le mur. Ça fera comme le fou. C'est encore lui, Landry Banadi, pour jouer ce corner. Attention, c'est dévié par la défense de Royal. Mauvaise passe. Siriaco et Traogo. On obtient une touche. Les stylistes, à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, ils sont un peu des. Ils sont en train d'accélérer. Hein. Marfo. Attention, ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est là que tout se joue. Madame Abelem. Le ballon est levé, il fait des réparations. Landry ne sera pas très haut. Et le ballon va sortir. Mais c'est parti. C'est dégagé. Dévié. Diakité en aura une touche en faveur des joueurs du Royal. C'est Ziraché, la dernière minute du temps réglementaire, va effectuer la touche. Sanou Karim. Temps de sortie. Côté Efo. Ballon perdu par Marfo. Il est revenu pour le duel. L'arbitre fait signe de jouer l'avantage. Barou Hamza, la frappe du gauche. Contré par Yacouba Ouedraogo. Sous le leadership de Philippe Lapemar. Landry Banadi maintenant. Pour Adam Ambulem. Peut-être une frappe, oui, c'était bien joué de la part de la Banadine. Mais il n'a pas trouvé la bonne position, il n'a pas trouvé le bon cadre. Alors qu'on aura droit à 3 minutes de temps additionnel avant de retourner au vestiaire. Se concentrer, il ne faut pas se laisser surprendre. Pendant ces 3 minutes, les stylistes avec ce ballon pour Paul Adeyomo. C'est Adam Ambelem maintenant, il ne trouvera pas Landry Banadi. Va-t-il récupérer ce ballon? Un peu trop long pour Landry Banadi. Alors que le ballon a franchi la ligne. On a quand même vu hein, les efforts de Landry Banadi et de Henri Chiriac. Ah oui, c'était un peu limite. Attention, on va tout de suite jouer la touche. Le dégagement de Enoch. Il y aura faute pour les stylistes. Philippe Lapemaré qui s'invite au jeu avant bien sûr la fin de cette première mi-temps. Dégagement raté de la part de Barou Hamza. Alors que le capitaine du Royal réussit à s'imposer avec justesse. Peut-être pour la dernière offensive, Abdelaziz Traoré. Il n'est pas en position de jeu. Le ballon maintenant pour Karim Sanou. Ça ne passe pas. Il y a
fait sur le coup du premier but, avec lequel Fernando Ouagadougou a peut-être la dernière occasion de cette première mi-temps. Et il y aura faute sur Justin Camille, qui fait beaucoup de mal hein, à Ismaël Ouagadougou sur son flanc droit, son flanc gauche, pardon. Justin Camille, sacré lié, hein, même si on l'a connu un peu axial, mais c'est, ça fait quelques matchs hein, qu'il joue sur le côté carrément. Il est très à l'aise, il est athlétique, il est technique. Ça permet à défaut d'obtenir le coup franc bien placé. La surface de réparation s'est repoussée par la défense. Et oui, c'est fini ici au stade municipal du Sport Joseph Conombo. Après 45 minutes de jeu, l'étoile finale de l'Ouagadougou à 0, le Royal FC à 1, but marqué depuis la 11e minute par Diakité Adama, qui permet au Bobolais de prendre l'avantage avant la seconde mi-temps. Bien sûr, nous on a pris beaucoup de plaisir à vous faire vivre ce match. On aura donc 15 minutes de pause et on revient pour la seconde partie, toujours entre les Faux et le Royal FC. Mon nom c'est Bilgo Nkune Abdoul, je suis journaliste et communicateur. Alors, on a vu le tirage des étalons à Poule D, logé à Abidjan, Algérie, Burkina, Angola, Mauritanie. Est-ce une bonne poule pour les étalons? Je pense que lorsqu'on fait les tirages pour, surtout pour une compétition comme la CAN et qu'on tombe sur une poule comme celle des étalons, je pense que c'est bon à prendre parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de petite équipe. Voilà, on a vu des équipes qui ont fait sensation alors qu'ils étaient à leur première participation à la CAN. On a vu la Gambie et lors de la dernière édition. Donc, il n'y a pas de petite équipe. Et c'est des équipes que nous connaissons. Quand on parle de l'Algérie, de l'Angola, on a joué ces équipes plusieurs fois. Je trouve que c'est assez bien. Même si les étalons ne sont pas dans leur meilleure forme, je pense que c'est bon à prendre. Est-ce qu'il y a une équipe particulièrement qu'il faut craindre, même si on sait qu'il n'y a plus de petite équipe? Dans la hiérarchie, je dirais que naturellement, l'Algérie qui était dans le chapeau 1 et qui est championne, qui a remporté la CAN l'édition surpassée, pas forcément favorite. On voit qu'elle a eu des renforts de taille récemment avec les binationaux qui sont revenus. Hier seulement, ils ont fait un très bon match, ils ont gagné 5-1. Pour dire qu'actuellement, ils sont en très grande forme. Et ils ont fait une très mauvaise CAN dernièrement. Et c'est sûr que quand ils viendront cette fois, ils feront tout pour ne pas être éliminés au premier tour. Donc déjà, cette équipe algérienne, elle est à craindre. Que ce soit sur les papiers ou sur le terrain, elle semble être supérieure à la nôtre. Mais bon, après c'est le foot, hein. Le rectangle, il est vert pour tout le monde. Mais déjà, quand on connaît le niveau de l'équipe, ça va. Mais les autres qui, selon le classement, sont derrière nous, c'est ces équipes qui sont à craindre.
surtout le premier match. Il faut véritablement qu'on gagne ce match, parce que si on le perd, après on tombe sur l'Algérie, ça va être compliqué. Voilà, donc je pense que toutes les équipes sont à prendre au sérieux et il faut bien négocier le premier match, voir comment on va gérer avec l'Algérie. Si on a une victoire, c'est bien, match nul, c'est bon à prendre. Et maintenant pour le troisième match, voilà quoi, assurer la qualification. Alors avant de vous laisser, on l'a dit, hein, la CAN en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme si on jouait au Burkina Faso. Le public sera nombreux. Est-ce que ça peut être une motivation supplémentaire pour les Italiens? Naturellement, c'est une motivation supplémentaire. Je pense que la communauté burkinabé est la communauté étrangère la plus forte en Côte d'Ivoire. Et quand on dit Boaké, on sait qu'il y a beaucoup de burkinabés là-bas. Forcément, ça va jouer. Mais après, comme je l'ai dit, le rectangle il est vert pour tout le monde. On a vu des gens qui ont organisé la CAN chez eux et qui ne sont pas passés le premier tour. Donc, ce qui compte, c'est la forme de l'équipe, c'est l'organisation, qu'on utilise bien nos atouts et qu'on prenne toutes les équipes au sérieux. C'est vrai, le troisième, le douzième homme est forcément un atout, mais il ne détermine pas tout. Donc, c'est vrai, on joue un peu comme chez nous, mais le plus important, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Siriakou, Draugo et Marfo Emmanuel sont tous deux derrière les cuits, certainement pour répondre par l'affirmative. On va suivre. Ange Siriakou, petit trou, il a frappé directement, c'est là-bas. Transversal, il me semble qu'il dégage et qu'il repousse le ballon. J'ai frappé, bien enveloppé de la part de Giriac, mais l'action, elle n'est pas terminée. Regardez encore ce Macadet. La défense réussit à repousser le danger. Kabore Benyamin. Pour Siriakou et Draugo. Droptilon push. Ah oui, ça, c'était l'occasion. Hein. Il fallait pas couper le lent. La but qui va inviter les acteurs à la présentation. Le fou était dans de très bons élans. Ah voilà, dommage pour les Stars qui se sont oubliés de temporiser avant de continuer l'action. Seconde pause d'oxygénation de la rencontre. On va tout simplement rappeler que les fous est mené 1-0 par le Royal FC depuis la première mi-temps, précisément depuis la 11e minute. Et bien sûr, le but a été marqué par Diakité Adama, qui a d'ailleurs été remplacé entre-temps. Pause oxygénation terminée. Faut retourner sur la pelouse. De Abdelaziz Traoré, qui d'ailleurs a bousculé Philippe Lapenaré, nous dit la bite.
jeu se poursuit rapidement toujours. Les stylistes qui le savent doivent d'abord égaliser s'ils veulent gagner. Même si la bonne opération est pour le moment pour les royalistes. Simon Martin, il a tenté le coup, c'était joué en première intention et c'est ce qu'il fallait faire surtout. Malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre. Beau contrôle de Simon Martin en première intention, il va armer une frappe. Il fallait tout simplement mettre le ballon un peu plus bas, juste un peu plus bas. Et on allait crier à l'égalisation. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les stylistes. Vont donc rester menés. Nous jouons la 73e minute. Le feu. Qui répare avec Philippe Lapémarie. C'est levé dans la surface de réparation. Sidibé est là. Emmanuel Sabadou. Il va servir Ange Sirac sur son flanc gauche. Le ballon dans la surface pour Justin Camus. On va toujours le puits sous le puits. On va trouver maintenant. Regardez, la paix avait déjà anticipé même son action. Comme ça, certainement, regretter si de voir les images du Burkina Faso. Mais on va suivre ce corner tout en saluant le beau travail de Abdulaziz. Philippe Lapémarie, il a repoussé le danger. Regardez l'expérience, comment il sort de vous. Il va lancer Marfou et Emmanuel. Face au capitaine du Royal qui va mettre le ballon en touche. Eman Sawadogo, une fois de plus, il est passé. Eman Sawadogo, il va servir Kabouré. Yakuba maintenant qui va tenter de glisser avec un bon contrôle de Marfou. Mais le ballon ne passera pas. Et c'est là où on a besoin de toute la palette technique des joueurs pour faire la différence. Lui, regardez encore ce beau geste technique de Zumbana. Même si là, finalement, il n'obtiendra rien de concret. Alors que ce soir, le véritable ministre de la Défense, c'est Yakuba Wambongo, qui est très combatif, qui est dans tous les duels et qui surtout fait de très bonnes relances. Va repartir. Avec un ballon levé dans la surface, directement pour Philippe. On va trouver un salarié. Kabouré, Benjamin. C'était très visible de la part de Kabouré. On savait déjà ce qu'il allait faire avec ce ballon. Pas dû seulement continuer l'action. C'est un ballon donné à l'adversaire qui lui veut tenter une offensive et il y aura faute sur Samou Karim.
Je l'ai dit hein, lors de la première mi-temps qu'il apporte beaucoup, qu'il fait beaucoup, qu'il apporte beaucoup de difficultés aux défenseurs de l'OFO. Philippe va jouer ce samedi. Pour Moussa, il est passé Moussa, mais la but presse l'avantage. Karim Samou passe moins les gens. Ismaël Sawadogo maintenant le ballon avec cette frappe de Sidibé. Mal négocié d'ailleurs. Il avait l'occasion même de contrôler et de frapper. Il est allé très vite. Eman Sawadogo qui a fait beaucoup d'efforts pour rien parce qu'il a perdu le ballon. Il n'a pas de position de hors-jeu. Ce ballon pour Zoumrana, que va-t-il nous sortir? Oui, Philippe Lapémaré va réussir son duel. Quel arrêt de la part de Philippe Lapémaré. C'est ça, un gardien de classe exceptionnel. Regardez l'action de ballon de Moussa pour servir Ismaël Sawadogo face à Philippe Lapémaré. Il est resté solide sur ses appuis. Il réussit en usant de tout son corps pour repousser le ballon. Donc le corner lui est joué tout de suite. Sans danger pour les stylistes. On tend timidement vers la fin de cette opposition. 11 minutes pour les deux équipes. Donc le faux est toujours mené 1-0. Simon, le ballon est élevé dans la surface de réparation. C'était une belle tête de Sana Kadet qui n'a pas trouvé le chemin de filet. Mais il faut saluer les efforts de ce joueur de l'UFO. Ils sont sur tous les bons coups. Dégagement. Avec ce dégagement certain sur Syriac Petraogo.
Philippe, qui est de plus en plus engagé, hein, parce que naturellement son équipe est menée. Il faut donc appuyer sur l'accélérateur. Sinon, Kamere Benyamin, il a perdu le ballon, Sidi Bé. Le ballon, il a besoin de solution. Sidi Bé va temporiser. L'arbitre fait signe de jouer, il n'est pas faute sur Sidi Bé. Donc là, c'est Mafo Emmanuel qui va bénéficier d'une faute. C'est joué rapidement. C'est là, disent les supporters depuis les tribunes, alors que Drabo tente d'éliminer son vis-à-vis. Le ballon est levé directement dans les gants du portier du Royal. C'est un missile envoyé par Ange Chiriac, mais réceptionné sans éclat par Henri Konaté. Mais la défense orange est restée solide pour repousser le danger. On aura un double changement pour le Royal avec la sortie de Sanou Karim et l'entrée de Koulibaly Hakim Bernat pour le premier changement bien sûr. Mais on va d'abord suivre, hein, me semble-t-il, le corner de l'UFO. En Syriac, Ouedraogo est monté. C'est levé, deuxième poteau. Oh, la tête, peut-être, pour créer un cafarnaum dans cette surface de réparation. Mais le ballon va ressortir rapidement par le Royaliste qui tente de repartir avec Ismaël Sawadogo. Pour Moussa, il est passé. Le duel de Moussa et Simon Marté. Moussa, oui, il n'a pas de position de hors-jeu. Alors que Sanou Karim n'a pas trouvé la force pour terminer cette belle action royaliste. Que c'était bien joué de la part de Boulet. C'est en ce moment-là qu'on a besoin de lucidité. Parce qu'il y a beaucoup de lourdeur dans les jambes. Il avait tout simplement appuyé cette frappe et ça aurait été le deuxième but du Royal. Le changement va maintenant intervenir. C'est Sanou Karim qui va sortir. Alors qu'on revoit l'action de l'UFO, c'était chaud, hein, dans cette surface de réparation. Tout était mis sans dessous de ça. Tout le monde espérait voir le ballon dans le fond des filets parce que les Stélis étaient quand même bien partis. C'est donc changement, peut-être le dernier, parce que c'est le cinquième, oui, le dernier changement. C'est la sortie de Abdelaziz Traoré et l'entrée de Abou Samia. Alors que vous continuez dessous du 5 volets, beau geste, la belle action du joueur du Royal. Depuis la chaîne centrale, alors que l'UFO a peut-être la balle de légalisation frappée par Marfo Emmanuel. L'arbitre ne branche pas, mais que dit les images de Burki Foot, nous qui avons suivi tout cela de bout en bout. On va aller voir l'action. C'était chaud dans la surface, mais le danger est toujours présent. Yacouba
percussion. Il va prendre ses appuis et même sur le dos, il ne pourra pas récupérer le ballon. Il y avait beaucoup de frayeur dans cette défense royaliste. Le ballon qui arrive, frappé par Marfo. C'est oui, c'est repoussé par le poteau droit de Henri Konaté. Que de frayeur dans cette surface de réparation. Que de frayeur dans cette surface. Que de frayeur tout court. Tellement c'était chaud que le portier a besoin du rafraîchissement. L'équipe médicale donc va s'occuper de lui. On va rappeler que l'étoile filante de Ouagadougou est menée ici à désormais 2 minutes de la fin de ce match. Le portier est debout, il a retrouvé ses esprits. Le jeu va se poursuivre. Et c'est une touche hein, pour le Royal ou le Faux. Pour le Royal, voilà. Ils ne sont pas du tout pressés, les joueurs du Royal. Et même le score, il ne reste que 2 minutes. Ils ne peuvent pas donc se presser. C'est comme c'est dit actuellement. Et qui n'ont toujours pas de victoire dans ce championnat. Gagner ce soir sera une très bonne affaire. Matara Moussa va garder le coup face à 3 stylistes. Kamori Benyami, Kamori Kamori toujours. Le ballon est lancé. Le Marfo Emmanuel. Le capitaine ne prend pas de risques, il va mettre le ballon en touche. Alors que Eman Sarabou va jouer rapidement avec Kamori Benyami. Une touche de balle, ils sont passés. Kamori. Eman Sarabou. C'est la course avec Sanatade, le drapeau s'élevé. Regardez le beau geste technique, la belle finition de Sanatade. Même le drapeau de la bite s'élevé pour indiquer une position de hors-jeu. Ah oui, que l'action était belle. Pour ce match d'ouverture de la 7e journée du championnat national de foot de première division entre le Faux et le Royal. Score pour le moment en faveur de le Faux, minimum syndical et le royaliste. Le jeu a repris avec ce ballon pour le nouvel entrant côté Royal. C'est une touche. Il est faux bien sûr. Marfo face à 2 royalistes, il est passé. Ah oui, sacré Marfo, hein, c'est l'un des joueurs en forme du moment côté faux. Il joue chaque match. Il est dynamique pendant les 90 minutes. On a l'impression qu'il ne se fatigue pas, ce monsieur.
sur la va bénéficier d'une faute. Voilà, c'est le soin à Simon Marty de jouer ce ballon. La tête de Yakuba va sortir en 5m50. Ouattara qui était passé, mais là il a obtenu une touche alors que les Royalistes sont peut-être en train de dessiner là leur première victoire de la saison. Oui, de quoi décourager un peu les stélistes qui reviennent de la campagne africaine, en fait 0-0 contre l'Université sous une coupe battante. Ce soir un peu diminué hein, parce que je n'ai pas encore retrouvé tout l'effectif. Tout l'effectif, pardon. Je pense avec un joueur comme Ben Martin de Rico. En tout moment, ils ont l'occasion peut-être de réaliser. Regardez le beau geste de Eman Sadio. Il a vu Drabo qui a été bousculé dans son élan. Il obtient le corner. Expérimenté Mansoualdo qui se fait parler ici. Ça donne du temps dans ce match. Saison 2023-2024 a été enregistrée sur le toile filon de l'Oradou. Ici au stade municipal du Sport Joseph Konombo, cette 7e journée va rester dans les esprits. Un but à zéro, un but qui fera toute la différence, un but qui fera parler de lui. Ah oui,
On a pris beaucoup de plaisir à suivre ce match. Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup d'engagement, il y avait du jeu. Mais ce soir, les Faux enregistrent donc sa deuxième défaite. Nous, les plus chanceux, ce sont bien sûr les Royalistes qui enregistrent la première victoire. Bonsoir. Alors, apparemment, vous avez fait tourner parce qu'on a constaté que l'équipe a été beaucoup remaniée. C'est ce qui explique la défaite? Bon, non, on ne peut pas dire que c'est ce qui explique la défaite parce qu'on prend un but ici des détails. Et ces détails-là, c'est très, très important. Je pense que c'est le football. Même ceux qui ont joué, normal, ils ont leur place aussi. On a été cueillis à froid et je pense qu'on a essayé de faire les changements. Et en deuxième période, on a acquis, on a eu des occasions, on n'a pas pu scorer. Et je pense que c'est comme ça le football. On va rentrer travailler, ça fait mal parce que ce soir, on avait envie de prendre 3 points. Mais bon, on rentre avec une défaite. Je pense qu'on va rentrer corriger beaucoup de choses. Merci. Merci. Ici à Ouagadougou, vous remportez devant les Faux. Oui, bon, je crois que c'est une habitude. Et aujourd'hui, vous avez, j'ai le sourire quand même. Je suis content, mais pas totalement satisfait. Parce qu'on a tant souffert pour engranger 3 points la victoire. Et ça a été chose faite aujourd'hui. Depuis le match passé, les enfants, ils se sont vus et ils se sont parlé. Et là, quand même, ils ont pris conscience pour aborder les 2 matchs. C'était contre le leader, le club qui est en tête. Et aujourd'hui, il fallait réagir pour avoir les 3 points. Parce qu'on a traîné derrière. Et il faut qu'on arrive à se mettre dans le plat aussi. Alors, quand on voit que souvent, vous commencez bien, mais les choses se compliquent davantage. Ce soir, il a fallu la baraka pour éviter la défaite et même le match nul. Qu'est-ce qui explique souvent cette Bon, toujours, c'est comme ça. Parce qu'en première mi-temps, si ce n'est pas dans cette durée-là, on fait une mauvaise entame de match. Et en deuxième mi-temps, avec les changements, ça apporte quelque chose. Bon, l'explication, tout simplement, parce que là, quand même, on a des joueurs inexpérimentés. Ça, il faut le dire. Alors qu'à l'élite, il faut des gars expérimentés et aguerris pour gérer les matchs. Nous sommes à côté, on est là à donner des directives. Mais sur le terrain, quand même, il faut qu'il y ait un meneur d'homme pour gérer. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc le coup. Les Faux
Nous, bien sûr, on a pris beaucoup de plaisir à vous faire suivre ce match. Score final 1-0 pour le Royal qui enregistre sa première victoire de la saison. Les Faux qui enregistre bien sûr sa deuxième défaite. On se donne rendez-vous pour le second match de cet après-midi qui va opposer l'AS Douane à l'AS Sonabel. A tout de suite. La réalité, c'est sur le terrain. La différence est que